Le fourgon des manouches est en route, hein. On est combien dedans? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dedans. Eh ouais. Bon ben voilà, je passe mon permis pour changer de véhicule. Ouais. Voilà. Donnez ça au professeur s'il vous plaît. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous serez prié de dire bonjour quand même. Ah, excusez-moi monsieur. Alors première chose avant de prendre un bus, qu'est-ce qu'on fait? On fonce. Ah non, c'est pas ça. On check. On check. Ah ouais, mince. Il faut checker quoi? On check les roues, c'est les pneus, les feux. Les pneus, y en a. Bon, allez, vous êtes. Quoi, c'est de toute façon, vous ne l'aurez jamais, allez monter au volant. Bon, ma vie est prête. Donc, t'as un coupe-circuit en dessous? Alors, normalement, il y a le volant, c'est ça? Ouais, le volant, ça, c'est assez important, ouais. Il y a un coupe-circuit en dessous, c'est ça? Ouais, non, tout en dessous. Voilà, tourne. Cédric, à droite ou à gauche? D'un quart de truc, hein? Quoi? Ouais, voilà. Là, t'as dû le mettre, ouais. Après, tu démarres avec la clé noire, du coup, qui s'appelle une clé de contact. T'accélères un peu, Ouais, oh, c'est bon. Voilà, puis après, bah, tu te démerdes, en gros. Et je le mets en seconde. Bah, tu as le dessin des vitesses, voilà. T'as le... Faut que tu sois en vert. C'est bon? Ça, là, ouais. Ouais. Après, tu te démerdes. Alors, est-ce qu'il va y arriver à le mettre comme il faut? Oh, le trou de ouf, toi! Alors, il va emboutir son camping-car à lui, c'est nickel. Vas-y! Hop, hop, hop! A chaque fois, je gueule comme ça en tenant le téléphone, ça éclate les oreilles de tout le monde. Une petite marche avant. Et après, il faut qu'il arrive à ramener l'arrière dans le trou qui est là. C'est là où ça va être plus dur pour bien se mettre en ligne. Mais bon, s'il se démerde bien, ça peut le faire. Ouah, comment il fait un beau bruit! Bah, faut qu'il serre plusieurs mois. Bah, il va se remettre en ligne après. Pas mal, hein. Pas mal du tout, même. Mets-toi droit. Nickel, tout droit. Vas-y, encore. Hop. Nickel. Ah ouais, il y avait l'arbre. Bah, franchement, ça gère, hein. Il est balèze le gars. Bon, alors, voilà. Première impression? Ben voilà, vous avez vu le prochain véhicule que je vais prendre. Hein. En fait, regardez sa tronche, il a été pendant 15 ans chauffeur routier. Ouais, de vue. Non, mais nickel la manœuvre. Franchement, parfait même. C'est du parfait. Tu tires la chevillette et la bobinette chez Ra. Non. C'est la première que tu voulais tirer avant. Là, ouais, tu tires très fort. Non, tire fort. Voilà, tu la repousses. Tu tires le contact et après tu coupes le coupe-circuit en dessous. Il se met où, Seb? Il se met où là-bas, Seb? Bah, où il veut là, il peut se mettre là s'il veut, non? Je sais pas. T'es bien à l'ombre. Ah, là je suis parfait en fait, c'est très bien comme ça. Ah, ouais, merde, je t'ai foutu à l'ombre. Non, mais c'est bien. Ah, bah, oui, je suis trop bien. Bon, bah, c'est bien. Ouais. Bon, attends, je coupe ton truc là. Papa, il m'avait manqué. Et voilà les petits préparatifs pour Noël. Un petit atelier décoration. Tu peux nous faire le tuto s'il te plaît? Non, mais c'est censé être des bonhommes de neige, mais bon, ça fait un peu. Mi bonhomme de neige, mi pingouin. Alors, vu d'ici, ça fait on dirait qu'il y a une attaque de bonhomme de neige. Mais là, j'ai un peu peur. Non, mais j'ai un peu peur, on dirait qu'il m'attaque là. Tu avais celle-là, rien. Ah, là, il y en a un qui est fini là, c'est fini celui-là. Tu avais celle-là. Franchement, tu sais ce qu'on dirait plutôt là? Je dis ça comme ça. On dirait des pingouins qui font Maman, voilà, ça on regarde vers le ciel. Bah, pingouin, c'est bon, ça fait Noël aussi. Hein, là. Bah, oui, ça fait... Alors là, ça va être pour mettre sur le feu, c'est ça? Ce qu'elle a dit, Léa? Ah, elle va essayer de faire cuire sur le feu. Ah, ça peut être sympa. À la poêle ou sur la cuisinière. Bon, après le reste, il n'y a plus rien d'autre parce que tout est rangé dans les frigos. Non, pas de problème. Et alors là, vous pouvez voir, on est super bien là où on est.
Regardez, en plein dans les bois, avec un petit soleil couchant, c'est magnifique. On est quelques voitures qui passent, mais bon, c'est pas grave, on est dans un parc magnifique. Avec tout autour, vous voyez les camions. Les camtars. Voilà, il y a même du moderne là, hein. Regardez. On est tranquille là. Et on va passer le réveillon là, avec le chaudron, en faisant un petit feu de bois. Voilà. Et un peu partout là, il y a des petits endroits avec des tables en fait de pique-nique et puis des jeux pour les enfants. Alors vous voyez, on est vraiment en groupe, hein, regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 véhicules. Et puis là voilà, on est tous ensemble là-bas, à côté d'Obélix que j'ai conduit tout à l'heure. Et il y a même derrière les hamacs et les tentes. Ah, je vais vous montrer ça. Un petit coucou au vagabond au passage. Hein, coucou le vagabond. Bon, j'ai sorti les câbles, mais j'en ai pas besoin. Là, il y a le petit hamac. Alors, il paraît haut, mais c'est parce que le fil est un peu élastique. Donc, forcément, il descend après. Une petite tente. Donc, les gamins vont coucher dehors. Le chaudron avec le bois à côté. C'est là où il va y avoir le feu. Et là-bas, au fond, il y a encore un autre hamac avec les tables et tout, de pique-nique. Donc, super sympa. Je pense qu'on va passer une bonne nuit ici, un bon réveillon. Enfin, une nuit, je pense que la nuit va être courte. Ah, on entend des coups de feu. Donc, on va peut-être même avoir du gibier. Allez, bon réveillon à tous. Ouais, un petit coucher de soleil sympathique dans les arbres. Bon, il est un peu loin, mais c'est assez sympa. Ouais. Peut-être se ramener une branche en même temps. Quoi, ouais. On n'a pas les mains libres, mais bon. Oh, on va se débrouiller. Bon, quand il dit ramener une branche, regardez. Une branche. Va falloir mettre la tronçonneuse en route, là, t'as pas trop le choix. On va choisir. Et voilà. Quand on fait une soirée en bande, comme ça, on est obligé de faire un joli petit feu. Bien sûr, aucun arbre n'a été coupé. Hein. C'est tout ce qu'on a trouvé dans la forêt. Donc on est tout au passage. Et puis, vous inquiétez pas, on va pas mettre le feu, ça sera dans un chaudron. Voilà, et puis on a un chien de garde juste à côté, de toute façon, au cas où. Alors, petite astuce. Petite astuce, un allume-feu écologique, de la résine de pin à mettre dans du papier ou du carton, on met le feu et en fait ça fait un allume-feu. Et trouvé dans la nature ? Ouais, sur un arbre. Comme quoi la nature, un arbre coupé, tout ça, et puis ça fait super bon. Fais sentir au. Ça sent le pain. Bon. Voilà, comme quoi dans la nature on peut survivre hein, avec un chaudron. Et comme vous voyez, on a commencé à mettre l'arbre en feu pour se chauffer ce soir. Hein, parce qu'après tout, il faut faire ça, faut faire les choses bien. Hein. Alors bien sûr, c'est pas vrai. Voilà, le feu a commencé à se lancer un petit peu. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? C'est sympa, hein? Ça fait beaucoup, hein. Et danse pas autour parce que ça va faire pleuvoir. Hein, Mimi Sécu? Eh, Mimi Sécu, si tu danses autour, ça va faire pleuvoir. Moi, je vais danser, tiens. La, 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 la. T'as vu, c'est beau, hein? Superbe. Alors là c'est pour YouTube, hein. Une petite vidéo, regardez si on va se mettre bien ce soir. On est en pleine nature avec les petits. Regardez le sapin de Noël, les petits amuse-bouches, regardez si c'est sympa. Regardez là si c'est sympa, les petits Père Noël. Là on dirait une attaque de Père Noël. Attention, une attaque de personnel de. Ah non, de bonhomme de neige. Oh, je dis des bêtises moi. Une attaque de bonhomme de neige, regardez. Ah, il nous attaque. Voilà. Hein, mais toi t'as pas peur toi? Hein, Jojo, t'as pas peur? Lui, il a pas peur de nous. Il a pas peur de nous, toi, t'as peur de lui? Ah non, t'es un super héros. Voilà, toi, t'as pas peur de lui. Ah, des petits billets, des petits argent, des petites pièces. Ouais, sympa. Et puis là, autour du feu, regardez, c'est sympa. Avec de la petite musique, sympa. Hein. Et là, il y en a déjà qui viennent manger, là, regardez. Regardez. Regardez comme ils sont gourmands. Attention. Vous mangez pas, vous mangez ça, c'est Bruno, là. Ouais. Il est où? Ah, t'es là, le pauvre gosse là. Oh, regardez comme il est beau. Hein? Avec le costume de mariage de Bruno. Hein? J'imagine bien Bruno, plus jeune. Un peu trop grand pour moi. Un peu trop grand, ouais. Mais quoi? Pas encore ouvert. La technique de tout à l'heure. Se retient. Oh,
Oui. Attendez deux secondes là. Et regardez tous là. Oh, il n'y a plus de musique. Ah si. Papa qui m'a demandé de mettre ça. Il t'a mis tout à l'heure. Et ça c'est trop bon, tu vois. Ça c'est trop bon. C'est quoi alors si c'est trop bon? Qu'est-ce que c'est? C'est une biscotte fabriquée avec de la tomate et du pain dessus. Et montre tes belles dents de vampire. Nous sommes à 10 km de Séville. Et on est chez nous. Regardez le Gaulois qui filme pour sa chaîne. Ouais. C'est magnifique. Ah, c'est magnifique. Ce petit buffet, regardez, fait par Sabrina. Ouais, fait plein de trucs. Oh là là, regardez comment elle a fait. C'est sympa. C'est beau. Et là, ça c'est pour faire cuire ça juste là, là. Et ça c'est le Kiki qui a envie d'y goûter. Regardez, ah, il a mangé les oiseaux. C'est vrai que c'est dégueulasse. Ah, c'est bon, t'as attaqué ou quoi? Elle va pas rester longtemps. Et Bruno, tu vas plus rien avoir à prendre en photo. Joyeux Noël! Félicitations à Sabrina! Joyeux Noël! Bon Noël! Ouais, joyeux Noël à tous! Oh! Ah, bientôt! Je crois que les cadeaux ils vont arriver bientôt! Le Père Noël! Ah, alors là, je sais pas! Je sais pas! Qu'est-ce que c'est que tu attends, Lily? Père Noël! Bon ben, t'as eu un petit cadeau, un string apparemment. Mamie a eu un string. C'est cool. Elle met pas de culotte alors. Elle est quand même faire Noël dehors. Et toi, Liane, t'as eu quoi? Ben. Oh, c'est super. Ah, le Père Noël a pensé à moi. En plus, regardez, ça me va super bien ce petit. Oh, ça va t'aller bien. Regarde ce qu'elle m'a fait. Quoi ça? Marie-Ange. Qu'est-ce que t'as eu, mamie? Oh là là, regarde. T'as eu comme cadeau, mamie? Regarde, c'est mal qui mes cartes et mes pendules. Oh, c'est cool ça. Eh, c'est bon. C'est bon. On leur parle, mamie. Je peux envoyer. Là c'est super, hein. On est chez les Gaulois ce soir. On les connaissait pas il y a une semaine, hein. Enfin on les connaissait par la vidéo mais c'est pas pareil. Et là franchement on passe une soirée super. Et puis maman a eu deux cadeaux je crois. Et moi aussi j'en ai eu un, je l'ouvrirai tout à l'heure. J'ai déjà regardé maman quand elle l'ouvre. Voilà le super cadeau de... Alors je peux vous dire que Sabrina elle y est tout le temps à faire des attrape-rêves comme ça. Et je peux vous dire qu'elle est très patiente, elle fait des attrape-rêves super comme ça. Et on savait pas du tout que c'était... Alors je sais pas ce que ça va être mon cadeau, j'ai dit laisser maman filmer. Oh là là, non mais attends, eh, franchement. Oh non mais c'est hallucinant, nous on a rien prévu quoi ça fait. Franchement là je sais pas quoi dire, on vient d'avoir un deuxième cadeau, tiens Leaf. Oh, putain, on voit pas, c'est dans le noir. On se voit pas. De ce côté, Leaf, franchement. Ouais. Leaf, bah, ça fait plaisir. M'y attendez vraiment pas, et regarde. Il y a pas de soucis. Bisous, bisous. Oh, j'aime bien rien, mon pote. Franchement, voilà. Ça fait plaisir. C'est hallucinant. Ouais. Des super personnes, franchement. Deux petits cadeaux que j'ai eu, franchement. Deux petits cadeaux, je sais pas, je les ai pas ouverts, je vais les ouvrir. Je suis vraiment étonné. Je m'y attendais vraiment pas. Si, t'es content? Alors là, regardez. Oh là là. Mais regarde tout ce qu'elle a fait.
Non mais ce qui est génial, c'est qu'en fait on prône la sortie de la consommation. C'est Sabrina qui a fait ça, mais adorable, on est tombé. Sabrina qui l'a fait, c'est magnifique. On est tombé sur une famille. Elle aurait pas pu mieux tomber, les couleurs, enfin les nuances, magnifique. Magnifique, c'est beau. Regardez. Je te laisse présenter parce que j'en ai un autre à ouvrir là. Oh là 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 là. Voilà. Là vous nous avez vraiment émus. Hein. Regardez. Vraiment la famille Gaulois. Une petite pierre de soleil, tu penses. Oh là là, oh, super, joli. Regarde de la, adore le soleil. De la part voilà, de Lift. Comme t'es rayonnant, mon père. Oh. Voilà. Là, tu vas me faire pleurer. Vas-y, pleure, je vais faire des vues. Vas-y, pleure. En plus, il y a des vagues dedans, j'adore les vagues et les. Ah, franchement, ça, c'est des vagues. Ouais. Là, tu alors, on sait. Regarde, il t'a donné ça. Non, pose-le ça. Ce que t'as dans la main, c'est dans la main. Bah, c'est Liv qui t'a offert ça. Je sais, je lui fais un gros bisou. Mais tu l'as pas, tu as pas l'ouvert. Ah, j'ai pas ouvert. Bah, tu croyais juste qu'il t'a offert un bout de papier cadeau. Ça, c'est la vodka. Elle croyait qu'il lui avait offert juste un bout de papier cadeau. Oh là 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 là. Allez, Liv. Alors, pourquoi celle-là? Bah, je sais pas. Petite aventurine verte. Je sais pas, je pense que j'ai bien senti avec mamie. Et tu sais quoi? Le pire, c'est qu'elle avait vu le paquet cadeau, elle croyait que c'était juste ça le papier. Tu fais, tu l'as pas ouvert. Moi aussi, j'ai des choses à ouvrir. Voilà, avec le petit feu de camp. Regardez si on n'est pas bien. Tu sais que ton bébé, c'est moi qui l'a choisi. Ah, t'as eu un petit truc pour chien? Ouais, c'est pour jouer avec. Ah oh, super! Ah, tu peux mettre des petites croquettes dedans, c'est ça? Il s'est fait voler son cadeau! Paf. Laisser encore un petit peu ce côté là. Oui, ah ben oui, il faut les laisser. Hein. Ah ouais. Cuit, hein. Ah ouais. Ça, c'est des super pièces. Tu sais, faut que ça soit juste rosé à cœur. Ouais. Marie-France, là, ta prise est. Ah, mais je fais des côtes. C'est cool ça. Là, c'est soirée montage. Et vous sortez pas d'ici tant que vous avez pas monté une super fusée où on peut aller dans le ciel avec quoi. C'est quoi, c'est une fusée? C'est quoi que vous faites? Ça, je sais pas, c'est ça. Ah, c'est une fusée, c'est un genre de fusée, ouais. Ouais, je sais pas. Tu vas pouvoir aller dans l'espace avec ça. Mais non, mais c'est Liam. C'est Liam, Liam, tu vas aller dans l'espace avec? Ouais. Ma fille.
Mmh.